Regardez ce qui va se passer ici. Tu es fâché. Je suis pas voisine. Ma voisine. Yeah! Yeah! Et voisine de vous. Et bien, notre ancien quartier, on a bien fait de quitter là-bas. Hein. À peine on a emménagé ici, je me sens à l'aise comme ça. Ah, le quartier même est posé. En tout cas, le secteur même qui est là, la voisine, elle va bien, elle a bon cœur, elle est trop gentille. Hier, on est arrivé ici. Là, comment toi, tu sais que la voisine est bien, elle prépare bien? Toi aussi. Aïe, la voisine qui est passée, chaque jour, elle me salue. Ah, comment tu vas? Ta femme n'est pas là aujourd'hui. Elle envoie nos outils. Et moi, c'est tout. Ah bon? Aïe, mais il y a quoi de mauvais dans ça? J'ai jamais su jusqu'à aujourd'hui. Mon frère m'excuse. Sinon, il n'y a même pas eu une idée, même de matin dans mon pardon. Faut se dire. Toi aussi. Ah, il y a des noms. Aïe, il ne peut pas te tromper. Tu sais ça. Pardon, bébé. Ah, toi aussi. Non, le cas, toi, mais c'est le cas de chez toi. Ou bien, faut faire le pardon, faut laisser. Ah, toi aussi. Quartier qui est chic, toi, tu as jamais vu quelqu'un dans le quartier ici? Ah oui, j'ai vu le voisin, grand détail clair là. Un tatouage au dos là. Ah, tu as vu qui a un tatouage clair sur le dos? Le voisin, grand détail qui est bien clair, teint ciré, qui a un tatouage au dos là. Le voisin là, chaque jour comme il le voit passer ici, il porte chemise. Maintenant, comment toi t'as vu? Parce que la dernière fois, il passait devant les enfants et puis j'ai vu. Il passait devant les enfants et chemise? Non, il passait devant les enfants sans vêtements, j'ai vu son tatouage là. J'ai vu ses chemises, c'est un plus. C'est très beau, il a un lion, je crois c'est un lion. Et quand tu as vu le visage même du lion là. Si c'est moi maintenant, tu allais soulever mon taille. Toi, tu vois le garçon, tatouage, puis tu souris, tu es content. Faut m'excuser. J'ai juste vu au passage. Ça va, toi. Si c'est tatouage, moi, si c'est tatouage, mais c'est déjà le tapis. Demain, il tape, c'est un lion qui veut. Il met un lion ici, et puis il met un léopard. Il met un tigre dans mon dos. Regardez ce qui va se passer ici. Tu es fâché. Je suis pas voisine. Ma voisine. Yeah! Yeah! Et voisine de voisine. Jésus. C'est quoi ça là? C'est quoi je viens de voir là? On a fait quoi? C'est quoi ça là? C'est une salutation. On n'a pas fait quoi, voisine? Mais c'est une salutation qui est bien organisée comme ça. C'est quoi ça? Mon voisin, c'était juste au poisson. D'accord, voisine. Il n'y a pas quoi de mal. Ah, ils sont dans un salut. Ah, donc tu trouves ça normal? Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voisin! Eh! Eh, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Eh! C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est le voisin? Ah, mais lui, c'est le voisin. Donc il fait quoi ça? Il a vu que c'est le c'est juste saluer. On va, oh, c'est juste un bonsoir. Non, pas rester lui là, c'est mon mari, on va gérer. Non, ça va. Sidonie, attends, tiens, le kilo, hein. Mais tu as moi devant Moïse. Hein? Si, non, vas-y. Regardez ce qui va se passer ici. Sidonie, ah, toi, hein, bébé. Il n'y a pas de laisser ça d'abord, il faut t'asseoir. Hein? Vas-y, là, avec qui? Et c'est vas-y, c'est comme on a galéré ensemble. Ton voisin il est trop joli, il ne faut plus pas habiter chez moi ici. Hein? Sinon, on a des beaux voisins, on a des belles voisines aussi. Hein? Faut pas t'attendre, allons. Eh, Vassino! Eh! La mère du hasard! Rendez-vous, Blimbi! Déjà, c'est l'application 1xBet. Tu t'inscris avec mon code promo Segano225. Tu as 200% de bonus lors de ton premier rechargement. Donc, tu attends quoi? Télécharge l'application 1xBet, tu t'inscris. Tu mets le code promo Segano225 et tu as 200% de bonus. Tu te fais des sous. On est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.